gens, c'est Master Max. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui tourne autour du football. Et aujourd'hui, ça sera la sextape de Mathieu Valbuena. Donc, si vous vivez dans une grotte ou quoi, je sais pas. Mais apparemment, Valbuena aurait fait une sextape. Des amis à Benzema auraient la sextape. Et Benzema jouerait l'intermédiaire un peu entre Valbuena et ses potes. Donc, ils essayent de négocier de la thune ou quoi. Bon, c'est un peu chelou l'histoire. Honnêtement, je connais pas des gens comme ça dans la. De mes potes ou quoi, qu'ils ont des sextapes, on comprend pas leur bordel. Donc on va partir en coupe Anything Goes On avec ce super accent. On va partir avec cette équipe avec Griezmann, Benzema, Pastore, Ben Arfa et Paul Gergentep. Donc on se retrouve directement pour un match. Donc on a trouvé un adversaire, ça sera DBFCOM. Ah bah non, il est parti, il a eu peur de nous. Bon, on se retrouve directement pour un adversaire qui cette fois va essayer de nous affronter quand même, parce que le mec, on sentait, il avait pas de couilles, il avait peur de nous déjà de base. Petite bite. Ça y est, on a trouvé, ce sera classe en Glasgow. On part avec le maillot de l'Atletico, il a sponsorisé par Coca-Cola son maillot. Et donc il a une équipe de... Une belle équipe avec Karim Benzema aussi, Martinez, Rodriguez, Douglas Costa, Konoplyanka. Donc les gars, on va essayer de faire du sale parce que dans cette coupe j'ai essayé une première fois, mais les gens qui jouent comme des bâtards, c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. On te sent bien Pastore. Oh les gars, la grosse frappe de Pastore, elle est belle. Ouf, la parade du gardien. Donc les gars, on va parler un peu du sujet. Donc déjà, Valbuena qui fait une sextape, s'il te plaît. C'est quoi ce délire? Personnellement, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais franchement, le mec, il a décidé de faire une sextape comme ça. Je sais pas avec qui. Et vous imaginez, les gars, une sextape de Valbuena avec Gilbert Montagné. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Bender, je partais au charbon. Oui. Les biches portent blindées. J'ai encore la dalle, je suis pas gaffe. Oui. J'arbonne toujours les mains gantées. Oui. J'arbonne toujours les mains gantées. Je volais le goûter des enfants gâtés. Donc, les gars, j'ai entendu ce matin apparemment que. Les régions de France qui rechercheraient plus la sextape de Valbuena, ce serait dans l'Île-de-France, le Rhône, forcément c'est là où joue Lyon, et Marseille. Mais quand même, l'Île-de-France c'est impressionnant, les mecs c'est des pervers sexuels là-bas. Bande de cochons. Hey, bande de cochons. Bande de cochons. Bande de cochons. Bande de cochons. Merci, et le mec il nous donne le ballon, on pouvait pas rêver mieux. Allez Benzema, tu l'as vu, t'as vu Griezmann. Oh, le petit piqué, il est beau. Ouf, Griezmann, applique frère. Mais putain, Benzema, tu fais quoi? Bah le mec, il essaye de nous skiller la gueule. Le mec, il s'est enflammé. Il a eu le zizi tout dur pendant un moment, il s'est dit, putain, j'ai réussi un geste technique, ça. La grosse frappe de Griezmann. Ouf, la belle parade du gardien. Mapouyanga Biwa, la grosse frappe. Mais n'empêche, le mec, il a de ses blazes, Mapou. T'imagines, t'appelles ton fils Mapou, t'as plus aucun respect pour lui à ce niveau-là, c'est un truc de malade. Bon les gars, c'est à la mi-temps, on a deux fois plus de frappes que lui, on a beaucoup frappé loin quand même. Il y a des belles occasions, mais c'est un match où on se fait un peu chier. Le mec s'appelle Class on Grass, je sais même pas où est sa classe, franchement. Le mec, il fait pitié. Regardez, le mec, il skill dans son propre camp. On n'a jamais vu la sextape de Mathieu Valbuena. Mais pourquoi? Peut-être c'est lui qui veut pas la montrer, etc. Mais pourquoi il veut pas la montrer au final? Je pense que j'ai mis deux théories pour ça. Soit il y a un petit zizi. Dans ce cas-là, je comprends, parce que honnêtement, le mec, il fait 1m20 les bras levés. Non, mais y'a pas faute, cousin. Il fait 1m20 les bras levés. Tu l'imagines avec un concombre en... Anomalie, tu vois, ce serait un peu bizarre. Hein. J'ai même envie de te dire que ça serait une nanomalie. Non. Non, c'était nul, j'avoue. Parce qu'honnêtement, le mec qui a fait la sextape avec Kim Kardashian, dire de ça. Quoi? Non cousin, tu ne la mets pas cousin. Ouf, ça passe à côté. On a eu chaud franchement, on a eu chaud de la bite là, parce que le mec il nous a mis une frappe du turfu Michael. Pouah, regardez-moi ça. Elle passe vraiment à côté. Donc les gars, on va revenir un peu sur le sujet. Donc la deuxième théorie pour moi, c'est que sa copine elle est moche, ah ben, Valbuena, t'imagines? Après tu vas me dire, ouais mais Max, pourquoi sa copine elle est moche? Pourquoi il sortira avec une meuf qui est moche et tout? Je fais, bah c'est simple mec, attends je t'explique le bordel. Imagine le mec il est en galère de meuf et tout le bordel. Il décide de choisir une moche.
Je sais, c'est bizarre, mais ça a de nombreux avantages, les gars. On se sent plus beau à côté, déjà. Mais c'est pour se rassurer. On se dit, vas-y, on peut à moins attirer quelqu'un. Oh, attendez, les gars. Il y a la belle frappe de Pastore. Mais non, mec, tu tires comme une chèvre. Bon, faut qu'on arrête de frapper loin, parce qu'on est nuls, là. Donc, je disais... Il peut sortir avec une moche, mais après, ça a des inconvénients aussi, t'imagines. Sortir avec une moche, tu la présentes même pas à tes parents, ni à ton chien, même à ton poisson rouge, mec. Parce que franchement, t'as honte devant tes potes, elle arrive, tu lui fais un check, quoi, tu lui fais même pas la bise. Tu la regardes même pas. Moi j'aime les moches, parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches, et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches, oh. Vas-y, c'est bon, fais pas le fou, rends le ballon, arrête de jouer avec ça. Allez, on t'a vu, Griezmann, on t'a vu. Mais non, putain, t'es sérieux, Griezmann? Applique sur ta feinte. Ou Pastore, la grosse frappe. Mais en plus, il fait une tête, il est hors jeu, et il fait une tête de PD. Le mec, il caresse le ballon, on dirait. N'importe quoi. Pastore, enfin. Bon, sur ce coup-là, on est vraiment nul. Bon, les gars, c'est la prolongation. Il y a un penalty. Punaise, on a fait 17 frappes. 17 frappes à 5. Avec 9 cadrés, excusez-moi. Ouah, c'est un truc de malade. On mérite 100 fois de gagner. Pouh, ça a abusé. Bon, on se retrouve pour la prolongation. Il faut qu'on gagne. Il fait rentrer Nani, apparemment. Parce que là, ça va plus, les gars. Sérieux, 17 frappes. Antoine Griezmann, les gars, pff, je m'en remets pas. Regardez-moi ce but, le petit crochet, bam bam, et la magnifique frappe. Wow. Ah, clairement, ce but, il me fait plaisir. Il m'a rendu le zizi tout dur. Ah, un truc de malade. Pastore. Karim Benzema, la frappe, elle est belle. Oh, quel but, golazo! Karim Benzema signe un chef-d'œuvre, un geste phénoménal. Les bras et tout le bordel. Oh là là, il nous a fait plaisir, Benzema. Il laisse le passer le ballon entre ses jambes. Et il nous met petite frappe, petit filet opposé. Regardez-moi ça. La passe de Pastore, il laisse passer le ballon. Et la magnifique frappe côté opposé. 2-0, les gars, on est bien dans ce match, on est bien. Oh, tu te caches derrière les défenseurs, Benzema, c'est pas ça qu'on veut. Oh, la belle parade de Kevin Trapp. Les gars, je vous conseille vraiment Kevin Trapp. Pour moi, un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette année. Il est vraiment impressionnant. Allez, récupère le ballon. Son gardien est sorti. Récupère le ballon. Allez, dépêche-toi. Allez, mais joue. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. C'était Max, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.